Alors, Donald, qu'est-ce qui se passe? Je vous vois absorbé, je vous vois dans vos pensées, soucieux. Ah, mais je vois bien, il y a quelque chose qui ne va pas, hein? Je suis soucieux, ouais. J'ai des gros soucis en fait. Voilà, Mme Sylvestre, j'ai des gros soucis. Ça, c'est Mademoiselle Daisy. Mademoiselle Daisy, il s'est passé quelque chose. Elle vous a pas quitté quand même, hein? Non, mais je m'en fiche de Daisy, c'est pas le problème, Daisy, hein, vraiment pas. Alors, si c'est pas l'amour, alors c'est pas grave, alors c'est quoi? C'est votre oncle, Picsou? C'est lui encore? Directement, c'est lui, mais bon, c'est toujours lui. Si vous voulez, à chaque fois que j'ai un problème, de toute façon, c'est lui, hein. Disons que j'ai un gros découvert, un très très gros découvert. Attention aussi, hein, un grand découvert, évidemment. Moi, je vois, vous avez acheté encore une nouvelle télé, vous avez encore acheté, je sais pas quel gadget, hein, la Play Station, je sais pas quoi, bah forcément, vous avez un découvert, hein, vous étonnez. Il faut que vous fassiez attention aussi à vos finances, hein. Moi, vous savez, je sais ce que c'est que la misère, hein. Je sais quand j'étais artiste peintre, hein, la misère, là, j'ai su ce que c'était, hein. Maintenant que je suis femme de ménage, ça va, bon, c'est sûr que je gagne bien ma vie. Mais je sais ce que c'est que les problèmes de découvert, hein. Ne faites pas attention, Donald. Voilà. Enfin, Mme Sylvestre, je pense pas que vous ayez un salaire mirobolant non plus. Il faut quand même pas exagérer. Vous êtes contente de faire des ménages, franchement. Fais quand même mon petit salaire, hein, et puis moi ça me suffit. Il suffit que j'en mette pas le pied dans le mouillé et que j'ai pas recommencé 36 000 fois. Et moi je m'en sors très bien, hein. Moi je fais attention, c'est sûr. Parlez à moi, mais moi le ménage, moi je le ménage, je le fais jamais le ménage, hein, franchement. Mais mon brave Donald, mais vous connaissez rien de la vie. Moi, je vais vous apprendre la vie. Écoutez bien, Mme Sylvestre. Hein. Écoutez bien ça, et c'est valable pour n'importe qui. On ne peut pas, et je veux dire, j'ai 50 ans d'expérience, je sais de quoi je parle, on ne peut pas, à l'heure actuelle, et même depuis la nuit des temps, on ne peut pas, et qu'on ne vienne pas me dire le contraire, encore moins vous, Donald, on ne peut pas se passer d'un aspirateur. Ça, je peux vous dire que la vie m'a appris une chose, c'est bien ça. On ne peut pas se passer d'un aspirateur. On peut se passer de tout, on peut se passer de même de l'essentiel, mais on ne peut pas se passer d'un aspirateur. Ça, moi, je vous le dis. Ah, écoutez-moi, un aspirateur, j'en ai même pas d'aspirateur. Je veux dire, jusqu'ici, je m'en suis bien passé, hein. Vous exagérez, Mme Sylvestre. Non, 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 vous n'avez pas d'aspirateur? Eh ben, je vous plains. Franchement, je vous plains, Donald. Vous connaissez pas la vie. Voilà, vous n'avez rien vécu jusqu'ici. Tout est à recommencer, tout est à commencer, même pour vous. Ah, moi, je vous le dis, hein. Il y a une chose que je peux vous dire. Autant quand j'étais peintre, j'ai pu me passer de pinceau, j'ai même peint avec mes mains, hein. Et je vous cite pas d'autres exemples, beaucoup plus, comment dire, primordial pour l'existence, hein. Mais moi, je peux vous dire que on ne peut pas, et retenez bien ça, on ne peut pas se passer d'un aspirateur. Et si jusqu'ici, Donald, vous vous en êtes passé, eh bien, je vous plains. Franchement, Donald, je vous plains. C'est à cause de ça que je suis tout le temps à découvert? Parce que j'ai pas d'aspirateur et que j'en ai jamais eu? Bien sûr, et ce n'est pas exagéré. Je pense que moi, écoutez, c'est pas grand-chose. Si vous voulez, moi, à Noël, je vous l'offre l'aspirateur. J'en ai même un vieux là d'occasion. Si vous voulez, je vous le donne. Mais s'il vous plaît, Donald, ayez au moins un aspirateur. C'est pas grand-chose. Et vous verrez que ce sera la fin de vos soucis. On peut dire que je fais des découvertes, mais je fais aussi des découvertes, hein. Parce qu'avec vous, franchement, on peut dire que j'apprends la vie. C'est bien naturel entre voisins. Allez. Au revoir, monsieur Donald. À la revoyure. Parce que, retenez bien encore une fois, et je le dis, c'est valable pour tout le monde, écoutez bien, Mme Sylvestre, on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas, à aucun prix, se passer d'un aspirateur.